بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفي وحبيبه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdoulilah, donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette nuit qu'on va passer ensemble. Et donc, les frères ont une formule ici à Dijon un peu particulière. C'est de faire en sorte qu'on se réunisse après le Tarawih. Et puis qu'en fait, il y a un programme pendant la nuit. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante. C'est d'abord de faire un exposé sur le Coran pendant le mois de Ramadan. Et puis, c'est ensuite de faire une analyse de texte, mais l'analyse de texte, enfin de verset, on va la faire ensemble. Vous allez recevoir une feuille dans laquelle les frères ont fait des photocopies, mashallah. On lira ensemble, je pense que vous êtes le nombre, on fait une centaine de photocopies. Et donc, il n'y aura pas de problème pour que chacun puisse suivre et regarder un peu plus près la lecture. Et puis, enfin, on terminera, bon, il y aura des questions avant, d'un échange avant, et puis on terminera, biiznillah, par les rappels et les invocations, donc par le fait de pratiquer le zikr. On va faire lire al-ma'thurat ensemble, inshallah, dans le courant de cette soirée. Alors, d'abord, bien entendu, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas, yubayyinatun min al-huda wal-furqan. Donc le mois de Ramadan pendant lequel est descendu le Coran qui est donc guide pour les hommes. Donc le fait que, en fait, on rappelle que le mois de Ramadan c'est le mois du Coran, c'est une chose qui est importante parce que c'est effectivement pendant le mois de Ramadan que le Coran est descendu de la table gardée à ce ciel, au ciel du monde. Donc en une nuit qui est une nuit bénie, Laylatul Qadr, la nuit de la détermination, de la destinée ou de la valeur. Et il est descendu entièrement ainsi, puis en l'espace de 23 années, en fonction des circonstances, il a été révélé, comme vous le savez, à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran, c'est une lumière. Et l'imam Hassan Banna avait un exemple qu'il donnait qui était intéressant, pour dire que l'humanité aujourd'hui est plongée dans l'obscurité. Et en fait, dans cette chambre obscure où les gens sont plongés, eh bien, ils se cognent les uns aux autres, ils se cognent au mur, ils trébuchent, ils tombent, et il faudrait faire la lumière, et il suffirait d'appuyer sur un interrupteur pour que la lumière se fasse. Et si la lumière se faisait ainsi, eh bien, ils verraient où ils en sont et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette pièce. Et cette lumière, c'est en fait la lumière du Coran. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا dit le Coran, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc en d'autres termes, c'est cela, cette lumière-là, l'humanité en a besoin aujourd'hui et elle est absolument indispensable. L'autre point que l'on peut donner, c'est qu'il existe deux lumières précisément. On a Nour al-Fitra, la lumière qui est la lumière naturelle que l'homme a avec lui lorsqu'il vient au monde et qui fait qu'il est naturellement constitué pour tendre vers son Créateur, pour adorer son Créateur, pour reconnaître la vérité et pour s'orienter en fonction de la réalité de l'islam. Et puis, vous avez Nour el-Wahy. Et Nour el-Wahy, c'est en fait la lumière de la révélation. Et on dit Nourun ala Nour, lumière sur lumière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les êtres humains ont besoin, ont en fait ces deux lumières. Et pour qu'ils s'orientent, ils ont besoin que ces deux lumières se rencontrent. Et c'est comme ça qu'ils parviennent à une forme d'accomplissement. Et donc, cette lumière de la révélation est absolument indispensable à l'être humain à tous les niveaux. Donc vous avez ce qui relève de la foi et ce qui relève de la raison. Cette lumière naturelle, c'est la raison par exemple, c'est la faculté naturelle qu'a l'être humain de comprendre les choses. Est-ce qu'elle lui suffit au niveau de la foi par exemple?
Non, il ne nous suffit pas au niveau de la foi. Il faut qu'une révélation vienne nous parler des choses qui sont cachées à l'être humain. Et nous croyons en ce qui est caché. Donc la révélation est nécessaire, le Coran est nécessaire pour orienter les hommes à cet endroit. Lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, du Créateur, la raison nous conduit à l'idée qu'il y a une cause qui est première, mais est-ce que la raison suffit pour connaître ce Créateur? Non, il faut la révélation parce que la révélation va nous parler en fait d'un Dieu qui dit les choses et qui parle de lui-même et qui révèle ses noms, ses attributs, sa volonté. Et donc la révélation est nécessaire pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de la morale. La morale, c'est en fait la propension naturelle, entre autres, que l'être humain a de distinguer le bien du mal. On appelle le bien el-ma'rouf, ce qui est connu comme étant le bien. Et le mal, el-munkar, ce qui est blâmé, ce que l'homme réprouve au fond de lui-même, dans sa nature première. Et donc ça veut dire qu'il y a au cœur de l'être humain un sentiment inné du bien et du mal. Mais est-ce qu'il suffit pour déterminer un comportement éthique exemplaire? Non pas, il faut encore que la révélation vienne compléter la chose, et c'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parachever les excellents caractères. Donc cela signifie qu'il y a en l'homme cette graine qui ne demande qu'à germer, mais encore faut-il que elle soit alimentée par l'eau de la révélation. Et ce point, il est très très important. On a un passage dans Sourate Al-A'raf qui nous dit effectivement que Allah a créé cet univers avec miséricorde. Et il nous est dit, il est décrit le fait qu'il apporte les vents qui sont porteurs de pluie. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا dit le Coran. Ça veut dire le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Donc cela signifie qu'on a un verset là qui nous dit, qui nous parle des vents qui sont porteurs de pluie. Et puis cette terre qui est morte, Allah va lui donner la vie par la pluie, alors qu'elle était morte. Et il est question d'un bon pays qui va donner une bonne végétation et d'un pays qui n'est pas bon et dont la végétation ne sort qu'insuffisamment. Donc qu'est-ce que signifie ce symbole? Il signifie, comme l'ont expliqué les ulama, qu'on peut comprendre le Coran à divers niveaux. Et nous, il nous est demandé de réfléchir, de penser dans la profondeur cette révélation. D'abord, j'observe que la pluie tombe, et les Arabes étaient sensibles à cette ondée céleste qui donnait la vie parce qu'ils vivaient dans des pays de sécheresse. Donc je vois que la pluie tombe et je vois qu'elle fait naître une végétation. Et cette végétation est le symbole de toute vie parce que c'est aussi la vie des animaux, c'est donc la vie des êtres humains. Et sans cette eau, sans cette végétation, l'homme ne peut survivre. Donc c'est un premier effet, la bonté divine que j'observe dans ce tableau qui est évident pour chacun. Mais le Coran, il va plus loin et nous dit, maintenant il faut nous déplacer de ce tableau vers un tableau qui nous est caché précisément, qui concerne le jour de la résurrection. De la même façon que cette terre était morte, et bien de la même façon Dieu va donner la vie aux morts, parce qu'il peut le faire. Donc cela signifie que c'est une preuve du fait que la résurrection se fera. Vous voyez comment on passe d'un tableau qui est évident, qui est apparent, le monde des apparences, pour avoir une réflexion sur quelque chose qui nous est caché. C'est quoi cette chose qui nous est cachée? C'est la résurrection, le fait de vivre après la mort. Puis, vous avez également dans ce symbole un troisième élément qui est important et qui concerne, en fait, l'idée que cette eau est le symbole de la révélation. Et parmi les êtres humains, il y a ceux qui vont recevoir cette révélation. Elle va faire germer en eux ce qui est potentiellement présent dans leur fétra, dans leur nature première, et d'autres qui vont rejeter la révélation. Et Ibn Kathir, lorsqu'il commente ce passage, il cite un hadith qui est authentique, dans lequel Abu Moussa rapporte que le messager de Dieu a dit
La voie et la science que Dieu m'a envoyé enseigner aux hommes sont comparables à une pluie se déversant sur la terre. La partie fertile absorbe l'eau qui fait pousser de l'herbe et des plantes en quantité. La partie aride retient l'eau et Dieu en accorde le bénéfice aux hommes. Ils en boivent ou s'en servent pour l'irrigation et pour les cultures. La pluie tombe enfin sur une terre stérile qui ne retient pas l'eau et ne fait pousser aucune plante. Donc voilà ce que nous dit le prophète dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, après nous avoir donné cette image, il va donner le sens de, ces symboles. La partie fertile est comparable à celui qui a approfondi la tradition de Dieu le Très-Haut et qui, ayant tiré profit de ce que Dieu m'a chargé de révéler, l'a appris pour lui-même et l'a enseigné à autrui. La terre aride qui retient l'eau est comparable à celui qui enseigne ce que Dieu m'a chargé de transmettre sans en tirer lui-même profit. Enfin, la terre stérile qui ne retient pas l'eau est comparable à celui qui refuse la guidance que Dieu m'a chargé de communiquer aux hommes. Donc cela signifie qu'il y a trois terrains qui vont recevoir cette eau. Une terre qui va recevoir l'eau, qui va en profiter elle-même et donner de la végétation. Une terre qui est comme un bassin, mais un bassin qui ne profite pas lui-même de cette eau, mais qui va retenir l'eau, si bien que les gens vont venir puiser cette eau et en profiter. Et puis une terre qui est complètement stérile et inculte, qui ne reçoit rien et qui ne donne rien. Donc cette troisième terre, c'est celle du kafir, de l'incroyant, du négateur. Il ne comprend pas la révélation, il n'en bénéficie en aucune façon. Puis vous avez celui qui va retenir les éléments de cette révélation. Comme dans un bassin, on a parfois affaire à des gens qui ont un certain savoir. Ils ne mettent pas en pratique ce savoir. Mais s'ils sont interrogés, ils sont capables de le transmettre. Et ce sont des gens chez qui on peut puiser cette connaissance, mais eux-mêmes, eh bien, ils n'en tirent pas un bénéfice. Et puis vous avez la catégorie qui est la meilleure, qui est celle de ceux qui reçoivent cette eau, qui va pouvoir justement profiter, bénéficier de la révélation et grandir dans la foi, et grandir justement dans la lecture du Coran, la méditation sur le Coran, la connaissance du Coran, le fait de vivre en mettant en pratique les principes du Coran. Vous voyez, ces trois catégories nous sont données, c'est intéressant, parce qu'elles nous permettent de nous poser quelques questions. Une de ces questions, c'est de nous dire s'il y a en nous cette graine qui demande à germer. Est-ce qu'une graine peut germer sans eau? Est-ce que l'homme peut progresser au niveau de la spiritualité, de l'éthique, de la morale, sans la révélation? C'est pas possible. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième question qu'on peut se poser, nous, on se situe où par rapport à cela? Par rapport à cette révélation qui nous est faite. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui en profitent? Ou bien est-ce que finalement, même lorsque nous écoutons le Coran, on n'écoute pas, on ne médite pas sur le texte, on ne profite pas de ce que le Coran nous est donné. Est-ce qu'on peut espérer progresser si on met le livre de Dieu, le Coran, en dehors de nos vies? Donc ce mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc le temps pour nous d'avoir une réflexion saine en nous disant qu'il est impératif, qu'il est essentiel de nous tenir fermement au Coran. Vous savez que un cheikh disait, aujourd'hui on voit que les gens sont très très occupés avec leurs appareils de téléphone, ils sont sur les réseaux sociaux, soir et matin quand ils se réveillent, ils se branchent immédiatement, est-ce qu'ils ont reçu des messages, est-ce qu'il y a des informations intéressantes sur Facebook, et il ajoutait, les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient ainsi avec le Coran. Ils étaient comme ça le matin, le soir, pendant la nuit, pendant la journée, à tel point, ils étaient tellement attachés à ce livre que le messager de Dieu a dû, sallallahu alayhi wa sallam, réduire le nombre, les empêcher d'aller au-delà d'un certain nombre de jours. Alors, en disant qu'on ne doit pas lire le Coran en moins de 3 jours, parce que celui qui le lit en moins de 3 jours ne le comprend pas. Et donc c'était une façon d'expliquer qu'ils devaient quand même se détacher du livre, mais ils étaient attachés à ce livre. Ils aimaient ce livre et pour eux, c'était vraiment le sens de leur vie. Alors observons quelle était leur attitude et quelle est la nôtre. Et par rapport aux catégories dont nous avons parlé à l'instant,
nous faisons partie de quelle catégorie nous-mêmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments que l'on pourrait donner concernant le Coran. Nous, bien entendu, on ne va pas le lire en 3 ou 4 jours, ni en une semaine. Certains le lisent en une semaine. Il y a des gens qui portent le Coran, qui chaque semaine le lisent une fois. Les compagnons, dans les premiers temps de l'islam, on estimait que de le lire en plus qu'un mois, c'était le négliger. Donc il faut avoir une part de récitation, et cette part de récitation, chaque jour, eh bien, est importante et il faut s'y tenir de façon ferme. Il y a un hadith que vous connaissez tous et que rapporte Al-Bukhari seulement, d'après Othman ibn Affan, qui a dit que le prophète a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » « Le meilleur d'entre vous est celui qui étudie le Coran et qui l'enseigne. » Et un autre hadith d'après Anas qui dit « Il y a certes parmi les gens des hommes qui sont sa famille, la famille de Dieu, subhanahu wa ta'ala. » On demanda « Qui sont-ils aux messagers de Dieu ?» sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit « Les hommes liés au Coran sont la famille de Dieu et ses élus. » Le hadith est rapporté par An-Nasa'i. Et dans un autre hadith, mais ce hadith est de faible authenticité, il est dit « Dieu ne châtie pas un cœur qui a assimilé le Coran. » Assimilé, wa'a, dans le sens assimiler et comprendre. Et il y a un autre hadith, d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, on dira aux compagnons du Coran « Lis, élève-toi et récite comme tu le faisais dans le bas-monde, tu t'arrêteras au paradis, là où tu auras lu le dernier verset. » Donc là aussi, ce sont des hadiths qui sont importants. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit « Il convient que l'on reconnaisse celui qui est porteur du Coran par la façon dont il passe sa nuit alors que les gens dorment, et par la façon dont il passe sa journée alors que les gens ne sont pas en état de jeûne, et par sa tristesse alors que les gens sont dans la joie, et par ses pleurs alors que les gens rient, et par son silence alors que les gens s'engagent dans des conversations futiles, et par son humilité, alors que les gens se comportent avec vanité, et il ne convient pas qu'il soit hautain ou négligent, ou qu'il vocifère, ou qu'il soit dur. » Donc, voilà des paroles qui sont édifiantes. Et vous avez également le fait que l'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte, a dit « J'ai vu le maître de la toute-puissance en rêve. » Donc il dit qu'il a vu Dieu en rêve. Bien entendu, il n'a pas vu une image. Il a vu en songe que Dieu lui parlait. Et j'ai demandé au Seigneur, quelle est la meilleure façon par laquelle se rapprochent de toi ceux qui se rapprochent? Et il dit, par ma parole, ô Ahmad, je dis en comprenant ou sans comprendre, il dit en comprenant et sans comprendre. Donc cela vous montre la valeur du Coran. Même quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit, donc qui, par exemple, s'est converti à l'islam, ou bien qui ne connaît pas l'arabe, il lui est demandé d'apprendre l'alphabet, de faire un effort, d'apprendre à lire, puis ensuite à réciter, ensuite d'apprendre le tajwid, parce qu'il aura un bienfait considérable dans le fait de lire. Il peut, bien entendu, de façon parallèle, étudier le Coran à travers une interprétation en français, par exemple, qui ne sera pas le Coran, mais qui lui permet de comprendre davantage le sens. Et ça, c'est important. Cela signifie que chacun d'entre nous doit se mettre, surtout pendant ce mois de Ramadan, à la lecture du Coran. Vous savez que le jeûne, le siyam, comme on le dit chaque année, on le répète, ce n'est pas simplement se priver de nourriture au niveau du ventre. C'est aussi parvenir à la maîtrise de ses membres, de ses yeux, de la parole. On aimerait que ce jeûne soit réussi. Et si on veut un critère pour savoir si ce jeûne est réussi, eh bien il suffit de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-siyam kama kutiba ala alladhina man qablikum la'allakum tattaqun » Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, peut-être pratiqueriez-vous la piété. Donc, « Et-taqwa », la finalité du jeûne, c'est « taqwa ». « Et-taqwa », c'est en fait ce qui permet à l'homme de se protéger du mal lorsqu'il prend conscience du regard que Dieu a sur lui et de la proximité de son Créateur, subhanahu wa ta'ala.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, je suis proche. Et quand il voit que Dieu le regarde, il regarde surtout quoi en l'être humain? Il regarde essentiellement en l'être humain, non pas l'aspect extérieur, mais comme vous le savez, le cœur. Et il regarde comment ce cœur est orienté. Si ce cœur est sincèrement orienté vers lui. Et c'est ça qui est déterminant. Le ramadan est réussi si je parviens à renforcer ce sentiment de taqwa dans la proximité avec le Créateur à tel point que je vais suivre ses commandements et m'écarter complètement de ses interdictions. Donc, cela signifie que je vais jeûner aussi avec les yeux, avec l'ouïe et avec la langue. Donc, faisons attention à cela. C'est très, très facile de glisser dans le discours en parlant de quelqu'un et en disant en son absence ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise. Or, el riba, c'est un grand péché, la médisance ou la calomnie. Et cela consiste à dire du mal de quelqu'un en son absence, même si ce que l'on dit est vrai. Il ne suffit pas de se dire, mais c'est vrai ce que je dis. Non, lui n'aimerait pas qu'on parle de lui de cette façon-là, donc il faut se taire. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Donc la calomnie nous est interdite. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous le détestez et craignez Dieu. Craignez donc Dieu. Donc ça veut dire que consommer de la chair de son frère mort alors qu'on jeûne pendant le mois de Ramadan, c'est une attitude qui est contradictoire. Mais il faut aussi jeûner, pas seulement avec le ventre, avec les membres, mais aussi avec le cœur. Et ça, c'est la grande question. Jeûner avec le cœur, c'est se rappeler que le cœur est un récipient qui ne connaît pas le vide. Donc si je veux en chasser les ténèbres, il faut le remplir de lumière. Comment est-ce que je le remplis de lumière? D'abord en accomplissant la prière de façon régulière. Et en faisant cette prière avec l'intention de me rapprocher d'Allah. Car la prière, c'est en fait une conversation que j'ai avec mon Créateur. Le prophète nous l'a dit. Yunaji Rabbahu, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est en prière, il est en conversation intime avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? El-Munaja comprend plusieurs conditions. L'une de ces conditions, c'est de ressentir la proximité. Si j'ai quelqu'un qui est près de moi, et entre moi et lui, je lui parle sans que vous entendiez, ça fait partie de la conversation intime. Et la deuxième condition de El-Munaja, c'est l'amour. C'est qu'il y a un lien d'amour qui est fort. Donc la conversation intime, le fait de prier, c'est cela. Et nous, quand on pratique la prière 5 fois par jour, imaginez que vraiment on la réalise avec cette intention de nous rapprocher d'Allah, d'aimer Allah, d'avoir cette conversation à travers la Fatiha qu'on lit, à travers le Coran qu'on lit, Dieu nous parle, et ressentir cette présence, c'est une autre chose, c'est autre chose que de faire des gestes de façon mécanique alors que le cœur est absent. La grande affaire, que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour la prière, que ce soit en toute chose, la grande affaire, c'est le cœur. Comment est-ce que j'oriente le cœur vers Dieu dans ce sentiment de proximité et d'amour? Je le fais à travers la prière et ainsi je vais remplir ce cœur d'amour. Et c'est ça qui est important. C'est comme cela que l'on pratique la piété. L'autre façon, c'est bien entendu la lecture du Coran. Cette lecture du Coran, il faut la faire jour et nuit, le plus souvent possible. Profitez de l'occasion du mois de Ramadan pour prendre l'habitude de lire le Coran de façon continue et sans rien laisser. Le cœur est un récipient qui ne connaît pas le vide. Et l'une des façons de le purifier, de le rendre meilleur, c'est de lire le Coran. Si je lis le Coran sans m'en rendre compte, c'est comme si je lavais mon cœur. L'autre façon, c'est de pratiquer le dhikr. On a là el-ma'thurat, tout à l'heure on va, inshallah, lire el-adhkar. Et donc, c'est des adhkar qu'on lit le matin et le soir, qu'on lit à toute occasion, qu'on lit normalement en se déplaçant. Qu'est-ce qui nous empêche de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, de façon constante, à chacun de nos moments perdus? Où l'on voit tel musulman pratiquer le jeûne ou pratiquer une forme de culte, et puis il regarde comme ça, et il est ailleurs, il est dans des idées floues.
Il est dans l'inconscience, il est dans la négligence. On ne peut pas, lorsqu'on perçoit la réalité du temps, vivre de cette façon-là, dans l'inconscience et la négligence. Le musulman se doit, justement, d'être dans cette clarté spirituelle qui ne peut naître que dans son lien intime avec Dieu, lequel se manifeste à travers le dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dire cela de façon constante. Quand on se déplace, quand on a des moments, quand on conduit, quand on s'arrête à un feu, avoir toujours ces paroles, wa la dhikrullahi akbar, et le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Et donc cela signifie que c'est vraiment quelque chose de fondamental. On va nourrir également le cœur par les invocations. Le fait de demander à Allah et le fait surtout, par exemple, de lui demander pardon, el istighfar. J'ai beaucoup aimé cette séquence qui a circulé dans laquelle un cheikh a choisi de faire une démonstration pour nous montrer quelle est la valeur du mot astaghfirullah. Donc quand on demande à Dieu pardon pour effacer nos fautes. Il a pris un bassin, il a pris un récipient transparent et il l'a mis au milieu du bassin et il y avait de l'eau à l'intérieur, une eau pure. Ensuite, il y avait une bouteille, et sur l'une des bouteilles, c'est écrit « Vos nobles, les péchés », et sur une autre, c'est « El istighfar ». Et il a pris la bouteille des péchés, qui est de couleur sombre, et il a commencé à verser dans le récipient. Et il disait « Voilà l'adorateur, le serviteur, l'homme qui commet des péchés, observez ce qui se passe ». Alors l'eau sombre est entrée dans le récipient, et en fait, elle a complètement changer sa couleur et sa composition. Et puis ensuite, il a dit, voilà ce qui se passe lorsque l'adorateur dit « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Il a pris la bouteille là, qui était une eau pure et l'a versée dans le récipient et l'eau, de nouveau, s'est éclaircie et redevenue pure. Donc cela signifie que quand on pratique le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, wa astaghfirullah, et que cela devient une habitude, c'est comme si je passais une éponge de façon continue sur le miroir de mon cœur pour le rendre pur. Et ça, il faut en avoir conscience. Les meilleurs d'entre nous, ceux qui ont devancé les autres, ce sont ceux qui pratiquent le dhikr. Sabaqa al-mufridun, ou bien al-mufridun, wa ma al-mufridun, qala sallallahu alayhi wa sallam, donc ceux qui justement sont dans la pratique du zikr beaucoup et celles qui pratiquent beaucoup ont devancé les autres du fait de la pratique du zikr. Comment est-ce qu'on peut aussi nourrir ce cœur, le remplir de cette lumière? Eh bien également par l'étude, par la méditation, par la réflexion. Vous voyez qu'à l'instant, on vient de lire un passage du Coran, on a réfléchi et on a essayé de comprendre certaines choses et le cœur tout d'un coup reçoit une forme de lumière parce que les paroles d'Allah sont lumineuses quand on les comprend. Et le cœur se nourrit de cette révélation, de cette compréhension. Pendant ce mois, qu'est-ce qui nous empêche de prendre un livre, un bon livre, et de se dire, on va le lire, on va prendre l'habitude de lire un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, une heure, plus pour ceux qui le peuvent, mais avoir une lecture régulière dans le but justement d'augmenter nos connaissances et notre savoir. Bien entendu, qu'est-ce qui permet aussi de purifier ce cœur? Eh bien, ce sont les bonnes actions. Parce qu'un jour, un homme était venu et s'était présenté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre de la dureté de son cœur. Il lui avait dit, passe ta main sur la tête de l'orphelin. Et donc, il lui avait répondu de cette façon-là, pour dire que quand on fait le bien, quand on répand le bien, quand on vient en aide aux autres, quand on est bon pour ses semblables, et bien là aussi le cœur va s'épanouir, va se nourrir de cette lumière, et c'est ce que nous recherchons. Vous voyez que tout ce qu'on vient de dire fait partie, en fait, des pratiques qui sont recommandées pendant le mois de Ramadan, et c'est dans ce sens-là qu'il faut s'orienter, Inch'Allah, les uns et les autres. Donc voilà quelques réflexions que je pouvais vous soumettre. Alors, je ne vous cache pas que quand on m'a proposé le thème du Ramadan, moi j'ai des tonnes et des tonnes de papiers d'exposés qui ont été faits, quels sont nos devoirs vis-à-vis du Coran, et puis les mérites du Coran, et puis beaucoup de thématiques comme ça. On pourrait passer un certain temps à évoquer tout cela, mais
Je pense que le mieux pour nous, c'est de nous arrêter là, de passer aux questions, à l'échange maintenant, mais simplement de retirer de ce qui a été dit qu'il faut vraiment que nous fassions cet effort de nous rapprocher du Coran pour le lire, pour le réciter, pour l'écouter, pour le comprendre, pour l'étudier et pour méditer. Inch'Allah, wa jazakumullahu khayra.